Far Cry 5. Oui. Oui, j'ai acheté le jeu. Ça se confirme, j'ai acheté le jeu. C'est pas juste une petite bêta. Oui, il va y avoir une série dessus. Oui, je confirme, il va aussi avoir une série dessus. Oui, je suis d'accord. Alors, Far Cry 5, pour commencer, paramétrage du profil. Je ne peux pas jouer en ligne pour l'instant, car j'ai pas encore fini la mise à jour, mais au moins je peux toujours lancer le jeu. Voilà. Même la femme, moi je parle homme. Ouais. Et t'envoies la petite cinématique du début, j'ai déjà regardé comment ça commence. Ok. Alors, oui, j'ai acheté le jeu. Tout ça, je sais, oui, c'est peut-être un petit peu con. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout ce jeu-là, on met de la musique en fond. Il y avait des avant-postes pour apporter la résistance. Alors, les avant-postes, en vrai, c'est quand même assez le fun. J'ai déjà joué au Far Cry 4, mais j'ai jamais joué à Far Cry 5. Le Montana. Son grand ciel bleu. Tous ses trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, bonjour à toi, mon frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous notre nez. Personne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas de quoi il est capable. Qui ? Leur leader ? Joseph Seed. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Mais je leur ouvrirai les yeux. Marshall. Tu franchis la rivière Enbane. Oh merde, le voilà. Quelle espèce de malade. Seigneur. On est bien arrivé chez les cinglés. C'est encore loin. Juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, shérif ? Non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed. Faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Brad, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît? C'est fait. Whitehorse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? À vous. On a malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshal. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Séparé la ferait jamais chier. Prat.
Les tarés, c'est une trouvaille à vous? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, shérif? On y est. C'est juste en dessous de nous. Voilà, la conférence. J'avais déjà vu ce matin. Oh nom de Dieu. C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance, Marshall. Allez, c'est parti. Pose-nous. Pratt, bien compris. Ils font pas du tout, ils font pas du tout le gold, peut-être. Centrale, toujours là? Oui, chérif, je vous écoute. Si je donne pas de nouvelles d'ici 15 minutes, envoyez du monde, appelez même la garde nationale s'il le faut. À vous. Ok, shérif, je vais prier pour vous. Bon, écoutez-moi. Trois règles, c'est moi qui parle, personne ne dégaine son arme. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris? Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va! Il est dans l'église. Suivez-moi. Ouvrez l'œil. Ces gens s'énervent assez facilement. Eh, hey, par ici. Reste cool, ok? Que tout le monde reste calme. Continuez ce que vous faisiez. Ça vous concerne pas. Shérif, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Nom de Dieu. Portez des insignes, non? Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont là pour le père. Il faut qu'ils me laissent tranquille. Pas les plus vite, attention, je fais une moteur. Je fais pas encore courage, je peux pas. Faut vraiment aller doucement. Hé, Marshall. Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière. Calmement, sans heurts. C'est compris? C'est compris. Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez. Essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas? Jamais. Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté, de notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, on y va, doucement. Terminez leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça cas. Suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici. Les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Reculez tous immédiatement. Reculez, ça suffit. Laissez vos armes. Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas m'emmener. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis, dans une voix semblable au tonnerre, l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez,
On avance. Et je vis. Devant moi, un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Allez, passe-lui les menottes. Parfois, la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Allons-y. Vraiment les deux. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. On va à droite. Je suis dessus. On vous laissera pas. Non. Vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petit. Pourquoi ça m'arrive tout simple que ça, mais pour descendre vers l'avant, ça m'arrive. Reculez. Tout le monde recule. Laissez-le. Bouge-toi, allez. Je suis un marshal fédéral. De reculer. Allez, rangez ça. Dégainez. Centrale. Oh mon Dieu! Nous n'avons aucun problème. Pas besoin d'appeler qui que ce soit. Oui, père. J'ai foi en vous. Sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les
messagers de l'apocalypse te verront la vérité. Que la récolte commence. Il brûle. Et l'ordre divin. Et leur punition. Je pense que je peux avoir des gelées par balles si je le sais. Des gelées par balles, la vie Parce que la fin, pour moi, c'est pour rien en fait, avec le chien. Désolé, j'ai cru qu'ils avaient... Allez! Allez, fouille la pièce, vite! Oh Seigneur, j'aurais jamais cru... On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. Toute la famille. Putain, fanatique. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une route dehors. On va la prendre. Et on va monter vers le nord-est. Dans quelques heures, on devrait avoir atteint Missoula. Ensuite... Faut qu'on revienne ici, avec toute la garde nationale. Et on se débarrassera de ce qui reste. Ok. Chut. Arrosez-les! Allez! On les repousse! Je peux jouer!
capable de bloquer. Tout va bien? C'était du beau boulot. J'y serais passé sans toi, tourne. Mais avec un bon plan, on sait pas à qui on peut se fier. Putain de Nancy. Oh, oh non, ils ont barré les routes. Je suis mort. Sans toi. Faut qu'on y retourne. Mais avec un bon plan. On sait pas à qui on peut se fier. Putain de Nancy. Oh non. Ils ont barré les routes. Maintenant.
Mais comment le but est entouré? Le début de Far Cry. Ouais, c'est bon ça. Allô? Allô? Ça va? Yes. Mais qu'est-ce que t'as? Ouais. T'as-tu Far Cry 5? Tu l'as pas, fuck. Est-ce que c'est le faire? Okay. En plus, genre, les graphismes sont trop beaux, il y a pas de bug quand tu bouges tout. Ah, j'en vois. Puis coûte genre 20$ PSN, il y a genre 75% de rabais. Faut de faire les débuts, là. Tu fais-tu un jeu à partage? Les agents qui ont essayé tu peux de pas qu'à toi-même. Ouais. Ont désormais rejoint les bras. Tu peux pas quand t'es en live, mais je te regarde depuis mon PC. Ok. En vrai, c'est vrai, ça fait combien de temps que tu lèves? Je sais pas, ça doit faire peut-être une demi-heure, 20 minutes. Je suis encore dans le dictatiel, là, mais c'est vraiment nice, là. Genre, les graphiques, et surtout les persos, là, c'est genre vraiment réel, là. Comme là, je me note pas. Ah, si tu voudrais pas revivre quelqu'un, tu pourrais pas revivre qui? Dans quoi? Non, mais dans la vraie vie, si tu préfères revivre quelqu'un, tu préfères revivre qui? Je sais pas, moi je connais ben la mère de quelqu'un qui est à garderie. Tu sais ce que ça veut dire? Je connais personne d'autre qui est mort. Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Plus aucun signal peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. T'as-tu le goût de jouer un autre jeu ou tu vas continuer à live? Moi je continue à live. Mon père regarde, je vais quasiment au fini. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sans merde. Ah. De quoi il me dit bon? Je suis où? Maintenant enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Quoi? C'est bizarre. Et puis là, t'as des vêtements. C'est bizarre qu'il me libère, il s'est supposé me livrer après, à d'autres personnes. Là, il me libère. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer puis de. Puis en fait, ça c'est quoi, genre? C'est comme quoi? C'est quoi la différence entre le 4 puis le 5? Bah, déjà, ça, est-ce que ça a une suite? Est-ce que ça a une suite? Je sais pas. Ben genre, dans le 4, on va dire que c'était une personne habillée en rose, puis ben, puis il est mort. En tout cas, moi j'ai fait Far Cry 4, puis j'ai fait le tour du jeu, là, puis tout, là, il y avait des animaux légendaires à tuer, puis tout, tandis que... Puis à la fin, on avait tué le gars en rose, là. En tout cas. Il y avait aussi les ennemis en rouge. Je sais pas si c'est ça, là. Ouais, ben moi j'avais fini le jeu. Le Far Cry 4? Ouais, t'as fini le Far Cry 4. Ça, j'ai acheté une. Okay. On s'en fout tellement de la tenue, gros, j'ai tellement mis focal. Ah, oh, puis j'ai une question, c'est quel, là, déjà, le jeu, là, où c'est qu'à la fin, là, tu tues quelqu'un, là, puis tu dois aller te faire réfugier dans un bunker? Je pense que c'est Far Cry 5, hein. Je sais pas, peut-être. Moi, je l'ai pas fini, allô? Je l'ai en matin. Genre, allez, à la fin, là, tu joues contre un gars qui a des genre des pouvoirs, quoi. Qui peut se téléporter, pis tout. Puis à la fin, genre, tu le tues. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. Puis genre, il y a genre eu une bombe nucléaire, puis tu devais aller te réfugier dans un bunker. Tes collègues sont en vie.
pour l'instant. Je sais pas si c'était ça. Mais ouais, on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. Tu veux les retrouver? Oui, je comprends. Moi aussi, on m'a pris des amis. Le problème, c'est que personne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. En vrai, il y a plein de Far Cry, mais la plupart, ils suivent même pas. Il faut juste... Il y a le Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry avec le gars en robot, Far Cry Primal, le 4, le 5. Une fois un peu plus tranquille, on pourra mettre un plan sur... Moi, j'ai tout. Il y a un flingue et une carte... Allô, Toubi ? Allô ? Hey, t'as-tu Far Cry 5 ? Non. Ah, mais y'a personne qui l'a. Ok, ma Max. Fais bien gaffe à toi, ça grouille de cinglé. C'est quoi qu'il voulait? Je sais pas, je l'ai muté. Moi, je suis par où en fait, je sais plus, je l'attends. Je l'ai même pas entendu parler. À un moment donné, je vais rejoindre son groupe pour dire de quoi, puis il a quitté. Ouais, même. C'est quoi ça? Moi, j'ai un tuyau, attends. Regarde voir qu'est-ce que j'ai. Il a juste dit allô, puis il a quitté. Non, j'ai pas d'arme là, ok, je sais. Bon, écoute, si tu veux organiser la résistance, il y a deux, trois trucs que tu dois savoir. T'as quatre façons de procéder. D'abord, tu peux libérer des otages de la secte. C'est des gens bien qui accepteront peut-être de se battre à tes côtés si tu les aides. Ensuite, tu peux détruire ce qui appartient à Eden's Gate. Tu vas trouver ça un peu partout. Tiens, rien que sur cette île, ils ont construit deux saloperies d'hôtels. Troisièmement, tu peux rendre service à la résistance. Il y a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte. Et ils cracheraient sûrement pas sur ton aide. Du coup, dans le jeu, t'es quoi, finir, comme... Si t'es d'humeur à t'es un méchant, très gentil, tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes que la secte a. Les avant-postes, c'est quand même assez nice, c'est quand même assez si facile à faire, ça donne des habitations en plus. La résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts. Est-ce que tu viens récemment de l'avoir? Je viens un matin. Je... Parce que ce matin, j'avais mon ami chez moi. J'ai des caméras partout sur cette île. Je regarde si je vois quelque chose. Ok, alors bon. C'est là, j'ai déjà senti un côté, vous voyez. Vers le sud et élimine tous les connards de la secte que tu vois. Et viens en aide aux habitants dans le besoin. D'accord? Terminé. Oh non, déjà on peut le piller, ça c'est quoi? Ça donne des flèches. Ah, moi je me suis acheté le véhicule Jurassic G pour avoir des trucs en vue. Donc en fait, ça fait le bateau, ça. Ah, mon petit mort. Ouais. Ok, c'est même quand ça est jumelle. Ça, c'est un coffre, en vrai. Je suis pas habitué à des jumelles. Mission qui est 22 points. En fait, faire de l'aventure, comme une chartelle, mais un peu plus stylé, tu peux. Parce que. En fait, c'est genre juste pas comment on fait pour le détruire. Ben pour moi j'ai compris comment il fallait le détruire. Je vais voir, est-ce que j'ai des endroits, genre des habitations, des affaires même? Mon queue de dot, suppressement rapide, indisponible. Ok. Je peux pas genre dézoomer. Ok, en fait je peux vraiment pas aller loin en fait. Ok, ben let's go, on va juste aller faire de la promenade. Hein. Libérer l'île de Dutch. Ah, pour moi, il faut que j'aille là-bas. Est-ce que ça a l'air nice dans ton écran? Il doit y avoir quelques petits bugs de cool, mais... Non, ben là, moi, je regarde pas, mais je vais aller regarder. Ça, c'est pas long. Ah, ben là, j'ai fini la cinématique, je suis en train de jouer. En fait, c'est ça. Baby, I'm alive, switch it on,
On va se promener un petit peu, on va regarder qu'est-ce que je peux faire là. Mode photo, mettre les avant-postes. Ok, j'ai quelque chose qui vient juste d'apparaître. Putain, je suis vraiment nul aujourd'hui. Ces cinglés de fanatiques sont en roue libre. Si vous voulez de quoi vous protéger, je crois qu'il y a une cache de survivalistes près du hangar. Il y aura sûrement des trucs sympas. Ok, bah je libérerai l'otage. Rejoignez l'équipage. Ça aurait pu être pire. En vrai, c'est nice, c'est quand même plein de petites missions au début, mais en vrai, après ça, ça va bien. Là. Comme tu peux jouer pas mal sur le tout. Ok, il y a l'étage, un autre étage. Ah non. Moi, je passe le jeu même. Pas formaté, j'ai un rainbow. Pour la prochaine saison, parce qu'en fait, de ce PC, il y a déjà des TTS pour la map et tout. Franchement, c'est pas pire. Ah, c'est ça. Je te dois la vie. Est-ce que je vais arriver à Toby puis je lui demande pourquoi il est arrivé? Ouais. Bah peut-être qu'il rejoindra même pas. Si, il m'en veut tellement parce que je lui rajoute ça avant. Je sais plus ce que je lui ai fait au juste. Comment ça va mon pote? Je me battrai à tes côtés. De recherche de la forêt. La secte a envahi l'endroit. C'est là qu'elle stocke sa putain de grâce. Nettoyez-moi tout ça. Comme ça, ils sauront qu'on n'est pas là pour déconner. Je bouge. Droit devant. Oh, j'en fais des yeux. Parce que... Ouais, bah en fait, on va sélectionner plusieurs personnes en même temps pour enlever nos amis. Je pense qu'on peut faire. Je pense qu'on peut déjà me servir plus si je fais vidéo plus qu'il y a. En fait, c'est pas qu'après, il sera quand même de l'eau. Bon, j'en suis un peu. Je pense pas qu'il en aura encore. Bon travail au poste de recherche. Les cinglés reviendront plus après la raclée que vous leur avez collée. Tant que vous êtes là, faites un petit tour, il y a peut-être encore des gens en vie. Mais faudra bien que quelqu'un les arrête. Ils vont tuer. Vous êtes un ange. Merci. La récolte a commencé. Les pères nous ont amené l'énergie des sanctuaires dans toute la région pour répandre la bonne parole. Une fois qu'ils seront construits, les pêcheurs sont en train de les détruire. Nous devons défendre ces structures. Le pire, c'est que je pense que j'ai su ça à la fois. Installé par le pêcheur. Ok, ben il vient de connaître ça. Oh, nice. Oh, nice, il y a l'argent.
peu. La secte rôde autour de l'île depuis des semaines. Je crois qu'ils essaient d'établir une base dans la vieille station des Rangers. Quelqu'un veille sur moi. Oh nice, il y a l'avant-poste. Let's go sur le pont. Là, du coup, il y a l'avant-poste à jouer. Oh bah attends, il y a un trésor, let's go. Il y a un trésor, quoi, j'irai pas. Mais tu penses-tu de l'acheter, Far Cry? Et même, c'est trop cool. Mais maintenant, en plus, j'en ai un. Déjà, mais genre un peu genre un équipier, genre un teammate, là. Genre qui fait juste me suivre. Pour m'aider. En vrai, j'ai acheté de BioCap, mais j'y joue même pas. Sorry. J'ai pris cette merveille sur un fanatique mort. Quelque chose, toi, non? Alors ça a pris 30 secondes, il y avait peut-être 4 personnes là-dedans. Moi c'est Far Cry 4, qui, genre il y avait des missions, des avant-postes, gros, c'était bourré là. Même les arènes. Là. Oh, c'est nice! Ah, ils ont une bonne idée là-dessus. Genre quand tu libères un avant-poste, mais genre t'as comme une petite musique, une petite cinématique, tout. Hey mec! Ça va? Je dois dire, je suis impressionné. Je croyais pas que t'aurais le grand de le faire. Peut-être que tu vas réussir à lancer la résistance, on sait jamais. Bon, maintenant il faut nettoyer le signal radio. Ma CB est foutue, je capte rien du tout sur cette île. La tour radio près de la côte sud doit être endommagée. Tu veux bien t'en occuper pour moi? Les CID n'ont aucun droit sur la propriété, puisque la station a été construite sur un terrain fédéral. T'es encore là? Oui, je suis encore là. Je parle tellement encore là. Mon dieu, même un coup dessus, il y a une échelle, c'est comme comment tu veux que je monte tout en haut de la tour? Enfin, il y a une grosse tour, mais genre il y a une échelle, pis ça, elle est quand même assez bien cachée. Hein. Bonne chance pour la retrouver. Pour montrer de quel côté, là, c'est bon de nous. Ouais, mais lui. Oups, mais c'était de l'échelle. Ah, Toby, il a recommencé à jouer à Rainbow en vrai, hein. Je sais ce que tu penses, et non. Ouais, ben, je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région, alors t'en fais pas. En fait, parce qu'avant un moment donné, on est tout le temps en crise depuis moi et lui. Puis je pensais qu'il avait quitté parce qu'il m'avait vu. Mais je lui ai demandé, puis il m'avait dit non. Ah, je vais monter le niveau. Hey officier, je capte un signal bien fort. Ouvre ta carte. Je vais te décrire. Attends, je l'évite.
lui demander s'il veut venir. À moins qu'il... Bah, il est déjà dans un groupe. Oui, je peux pas. On va voir un peu plus large. Dézoome ta carte qu'on puisse voir toute la région. Oak County se divise en trois régions. Au nord, t'as les Whitetails, les montagnes. C'est Jacob Seed qui dirige tout. L'aîné de cette putain de famille. C'est Jacob qui forme les soldats de la secte. Et il est vraiment très doué. Ellie et les Whitetails essaient de résister, mais Jacob les tient par la gorge. Au sud-est, t'as la rivière Enbane. C'est le territoire de Face. Oh. J'ai entendu parler ton parent aujourd'hui, tu peux dire que je range ma carte. Maintenant, va vers l'est, à Holland Valley. John Seed vient de débarquer. Allô? Il réquisitionne tout au nom de la secte. La bouffe, le matériel. Il prend même les gens. Je capte tout un tas d'appels partout dans la région. Je te tiens au courant si j'apprends quelque chose d'utile. Il y a un malaise que je me suis pris. J'ai déjà trophé. Bon, je peux-tu te dire ce que je voulais te dire? Oui. Est-ce que tu trouves que je rage moins qu'avant? Bof. Fuck you! Non, sincèrement. De vrai. T'es moins pire qu'avant, mais... Comme avant, je rageais énormément. Là, je suis vraiment moins pire. Ben, comparé à avant, on peut dire que je t'avais de consommer la console. Pas se mentir. Genre, je criais tout le temps. Mais. Même si je le fais aujourd'hui, mais encore, mais genre, c'est moins pire qu'avant. Moi, je le faisais avant, maintenant, je le fais plus. Oh merde. Officier, je vais te faire un message de John. Il faut que tu vois ça. Attends, je vais juste rappeler. Nous sommes des pêcheurs. Tous autant que nous sommes. Vous, moi. Même notre cher père en fait l'expérience. C'est un poison. Pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible? Si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles. Si je vous disais Ml Perrault m'a bloqué. Si vous adhérez, voilà, je peux pas rejoindre. C'est ça, eux? Ouais. Cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un mot. Yes! Oh. Je sais pas. Oh non, mais je l'ai appelé Ml Perrault. Je suis un pêcheur. Oui. J'aspire à la rédemption. Oui. Je veux être purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de les expier. N'ayez crainte. Mais au pire, tu te fasses un jeu à partage. Non, c'est correct. Tu t'es arrêté.